Alors, on constate de façon très, très pratique qu'effectivement, y a beaucoup de facteurs hein, qui interviennent sur cette question-là. Bien sûr, tous les facteurs de la société qu'on connaît tous. Il y a aussi une domination, on pourrait dire, de l'entreprise par la technique, qu'il s'agisse de la technique financière, de la technique d'organisation, de la technique informatique. Et cette explosion de la technique pourrait nous faire croire que la technique remplace la relation. Et de ce fait, on voit effectivement un effritement de ces relations de coopération de manière extrêmement concrète. Et ça, c'est un sujet préoccupant. Est-ce que les relations que nous vivons au quotidien, les relations de travail, sont des relations qui sont ajustées, qui sont ordonnées? Ou est-ce que c'est le désordre? Et il y a une condition qui est très simple, c'est que puisque j'assume une responsabilité dans l'entreprise qui m'a été confiée par mon patron, mon responsable, est-ce que j'ai les pouvoirs d'investir cette responsabilité et d'agir dans mon domaine de responsabilité? Voilà. Et on se rend compte que dans toutes les organisations complexes qu'on trouve aujourd'hui, cette règle, on pourrait dire, du pouvoir et de la responsabilité, est difficile à vivre et qu'elle est souvent malheureusement source de désengagement plutôt que source d'engagement.